Selon une enquête publiée récemment, plus de 25% de Palestiniens sont favorables à un État binational. Un État binational consisterait à la création d'un État unique comprenant deux nationalités définies constitutionnellement, où les Israéliens et les Palestiniens seraient tous citoyens. Il s'agit d'une proposition qui ressurgit à chaque fois que le processus de paix se trouve en panne. La plupart des avocats du binationalisme estiment que les Palestiniens devraient abandonner l'idée d'une solution à deux États, renoncer au rêve d'un État-nation et se concentrer sur la stratégie d'un État unique comprenant Israël, les deux Jérusalem, la Cisjordanie et la bande de Gaza où chaque citoyen aurait les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais qu'en est-il du point de vue du journaliste indépendant et écrivain belge Michel Collomb? Monsieur Michel Collomb, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Seriez-vous pour un État unique pour les deux peuples, palestiniens et israéliens? Absolument. Je pense qu'un État moderne et démocratique ne peut pas être basé sur une politique de discrimination, sur une politique pratiquant l'inégalité. Pour moi, un État démocratique et moderne, c'est un homme, une voix, et pas de discrimination et pas d'apartheid. Et quels sont, selon vous, les arguments favorables à ce binationalisme? Mais il n'y a aucun autre État dans le monde où on accepte de dire peuvent rester ici avec les droits entiers telle catégorie de population ou telle religion ou telle communauté et les autres sont des sous-citoyens ou dehors. Donc au nom de quoi est-ce qu'on baserait, on construirait un État qui pratiquerait l'apartheid et la discrimination? Il n'y a pas de raison. Mmh. Et la faible superficie de la terre aujourd'hui, de l'ensemble de l'ancienne Grande Palestine, c'est un argument aussi qui fait qu'aujourd'hui Israël préfère plutôt prendre encore de la place? C'est-à-dire qu'Israël, c'est au départ un projet colonial, un projet de colonisation qui est basé sur le vol de la terre, sur le fait de chasser 700 000 Palestiniens à l'époque, de les empêcher de revenir et d'essayer de construire un État ethniquement pur. Donc oui, Israël, ça c'est un projet fondamentalement raciste et un jour ça prendra fin. Je veux dire, le colonialisme, on sait que c'est fini en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient, c'est fini partout, sauf à un endroit, il reste un État colonial, c'est Israël, mais un jour ça va finir. Vous pensez qu'un État unique va permettre le déblocage de la situation qu'on connaît déjà depuis plusieurs années? Comment on va y arriver, c'est une question complexe, mais le principe pour moi il est clair. Et je ne peux pas admettre que des Palestiniens soient considérés comme des sous-hommes par rapport à des gens qui ont émigré de différents pays, qui sont venus là, qui disent « Dieu a dit qu'il y a 2000 ans, c'est ma terre, toi dehors ». Ça, pour moi, ce n'est pas du tout un raisonnement démocratique et moderne. Donc, il faut négocier. Le vrai problème n'est pas quelle solution il faut sur cette terre de Palestine. Parce que la solution, elle est relativement simple. Tous les gens qui sont là restent là, ils ont les mêmes droits égaux. Ceux qui ont été chassés illégalement ont le droit de revenir. Et après, c'est un homme, une voix. C'est la démocratie, c'est ça. Donc le problème, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il faut là-bas. Le problème, c'est pourquoi cette situation est empêchée et surtout, qui empêche cette situation? Ce sont les maîtres d'Israël, c'est-à-dire les États-Unis, qui versent chaque année 3 milliards de dollars d'aide. On a calculé que les contribuables des États-Unis ont déjà versé 3 000 milliards de dollars pour aider un État raciste basé sur l'apartheid. Et pourquoi ils font ça? Dans le livre « Israël, parlons-en », où j'ai interviewé une série des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient, Noam Chomsky dit « Les États-Unis protègent Israël parce que c'est le flic du Moyen-Orient, c'est le flic du pétrole ». Donc pour garder le contrôle du pétrole et de ses énormes richesses et de ce qui est en fait un instrument de chantage au niveau mondial des États-Unis contre l'Europe, contre le Japon, la Chine qui n'en a pas assez, contre les puissances émergentes du Sud qui n'en ont pas assez, les États-Unis protègent Israël par le veto, par le soutien militaire, en aidant Israël à faire des guerres, etc. Donc c'est ça qui doit cesser. L'Europe aussi soutient Israël en violant tous les principes du droit international et de la Déclaration des droits de l'homme. Et bien entendu, une série de régimes arabes
soutiennent Israël parce qu'ils sont à genoux devant les États-Unis, ils sont protégés par les États-Unis, ce sont des régimes impopulaires, des régimes qui gaspillent l'argent du pétrole à des fortunes, à des Ferrari, à des tours de 800 mètres où on construit des hôtels où vous pouvez prendre une chambre, c'est 20 000 euros la nuit. Mmh. Et alors, ces gens-là... Monsieur Collomb, quelle lecture faites-vous au fait que même certains députés du parti Likoud commencent aussi à dire que oui, nous sommes pour un État unique, mais un État juif, en fait, où, ah oui, où peuvent vivre une minorité arabe. Mais ça, c'est leur projet. Leur projet, c'est de chasser les Arabes le plus possible. Et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le faire tout de suite et entièrement. Donc, ils veulent bien garder 15-20% dans un État qui va rester un État basé sur les privilèges racistes. Mais ça, ce n'est pas un État démocratique et moderne. C'est un État d'apartheid. Donc, eux, ils le veulent parce que on voit bien aussi, d'une certaine manière, que Israël lui-même a saboté la solution des deux États. Je veux dire, quand vous regardez la carte et l'évolution de ce qui se passe sur ce territoire, vous voyez que la Palestine, c'était ça avant 1947, la Palestine, c'est ça à partir de 1947, ceci en 1967 et ça maintenant. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une petite mosaïque. C'est des bantoustans, comme l'Afrique du Sud avait essayé de faire, et qui sont complètement sous le contrôle, on le voit avec les checkpoints notamment, vous voyez ça ici. Regardez, qu'est-ce qu'Israël en fait. Quel est le pourcentage aujourd'hui de ce qu'on appelle l'autorité palestinienne? Ils ont 12%, et tous les jours un peu moins. Donc Israël lui-même a saboté la solution à deux États. Alors il veut bien une solution à deux États formellement, avec... je ne sais pas, les Palestiniens qui ont le droit de régler les parkings et l'entrée des écoles et peut-être la circulation routière et des bêtises comme ça. Mais ce n'est pas un vrai État. Donc ça, il est temps de mettre fin à ça. Et que pensez-vous des tracteurs de ce concept donc, qui sont pour un État unique et qui brandissent donc la carte démographique? C'est une obsession d'ailleurs pour l'État hébreu, hein, qui consiste à dire « oui, mais écoutez, ils sont plus nombreux et ils se multiplient aussi beaucoup plus vite que les Juifs de Palestine ». Écoutez, dans tous les États du monde, les populations avec la globalisation sont de plus en plus mélangées. Nous sommes ici à Bruxelles, il y a dans certaines communes 130 nationalités. Est-ce qu'il faut trouver ça triste? Non, moi je trouve ça très bien. Je trouve que ça c'est le monde moderne, c'est l'échange des civilisations, des cultures, des cuisines, des mœurs. C'est un enrichissement pour tout le monde quand vous rencontrez quelqu'un d'une autre culture. Il y a juste cette mentalité des colonialistes israéliens de ne pas accepter l'autre, de ne pas accepter l'arabe, de le traiter comme un sous-homme. Et pourquoi? Il n'y a personne qui veut jeter les Juifs à la mer. À partir du moment où ils veulent bien coexister, personne ne veut les chasser. C'est eux qui, en fait, disent la terre pour nous tout seuls, en prétendant qu'ils sont menacés. Mais c'est eux qui refusent de négocier depuis 60 ans. Donc il est temps qu'ils se mettent à table, sans condition, et qu'on trouve des solutions pour régler les problèmes et trouver des formules, éventuellement des formules transitoires. Ce sera aux Palestiniens. Moi, je n'ai pas à dire aux Palestiniens qu'ils doivent faire ceci ou cela. C'est à eux à voir quelles mesures on peut adopter. Vous savez... ce que je vous dis là, ça vous semble tout à fait impossible, mais j'étais il y a 2-3 mois en Afrique du Sud. Dans les années 80, je militais avec des gens de toutes tendances dans des comités boycott apartheid, c'est-à-dire qu'on allait le samedi à la porte des supermarchés et on disait aux gens, n'achetez pas les oranges, etc., les produits, parce que ça sert directement à l'armée de l'État raciste d'Afrique du Sud pour réprimer les Noirs, et donc il faut boycotter. Et à ce moment-là, tout le monde disait « jamais les Blancs voudront céder leurs privilèges, ça n'arrivera jamais ». Mais c'est quand même arrivé. Et il y a quelques mois, j'étais un peu curieux en me disant « et comment ça se passe ?» Je me disais « ils vont se regarder en chien de faïence ». Non, vous voyez bien dès l'aéroport, dans les commerces, les gens ils se parlent, ils vivent ensemble. Il y a encore beaucoup un peu de racisme, il y a encore beaucoup d'injustice économique et sociale, c'est sûr. Mais la minorité blanche a tout à fait accepté l'idée que c'est à la majorité à gérer le pays, à gérer l'économie. Ça veut dire que vous êtes optimiste. Donc, comme oui. on a mis fin à l'apartheid, un jour, on mettra fin à l'État juif ou à la judaïsation de la Palestine et d'Israël. Je suis optimiste sur le long terme, absolument. Et en Afrique du Sud, ça a cédé. Il n'y a pas de raison qu'en Israël, ce régime reste. Et je vais vous surprendre.
En fait, je suis d'accord avec les services secrets des États-Unis et ils ont présenté un rapport. Vous savez, aux États-Unis, il y a une flopée de services secrets. Il y en a 16 connus, en tout cas. Et donc, ils ont rédigé ensemble un rapport pour le président, pour le ministère des Affaires étrangères, disant, ben, je l'ai là sous la main, je l'ai lu ce matin, disant, je cite, « Israël, compte tenu de son occupation brutale et de son bellicisme, ne peut pas être sauvé. La direction israélienne est de plus en plus éloignée des réalités politiques, militaires et économiques. Le déclin de la puissance et de l'influence des États-Unis et le soutien à Israël devient impossible à défendre. Le gouvernement US n'a plus les ressources financières pour continuer à soutenir Israël. Et cette guerre est de plus en plus impopulaire dans le monde entier. Et même, je termine, de plus en plus de juifs des États-Unis sont contre le sionisme et les pratiques israéliennes. » Donc vous voyez, ils sont très conscients de cette réalité. Israël est isolé. Attendez, mais d'abord j'aimerais avoir la source de ce rapport. Qui a réalisé ce rapport et où il a été publié? Très bon réflexe des journalistes. Ça s'appelle « US Preparing for a Post-Israel Middle East ». Je l'ai lu dans « Foreign Policy Journal ». C'est un rapport de 82 pages de l'ensemble des services Federal Bureau of Investigation, Department of Navy, Army Air Force, etc., tous ensemble. Et donc, ça date du mois d'août. Et moi, je l'ai lu dans « Foreign Policy » à ce moment-là. Ce n'est pas secret. Et ce qui est important, c'est que parmi les communautés européennes, arabes, du tiers-monde, qui trouvent que ce qu'Israël fait, c'est intolérable, il y a trop souvent du pessimisme en disant « on n'y arrivera jamais, Israël est trop fort, les États-Unis sont trop forts ». Là, ils vous disent qu'ils sont en train de préparer déjà une autre solution. Donc le problème, ce n'est pas de constater un rapport de force maintenant qui est encore en faveur des États-Unis et d'Israël. Le problème, c'est comment on va changer ce rapport de force. Et là, je pense que les gens qui veulent la paix au Moyen-Orient, qui veulent la justice pour les Palestiniens, le travail consiste à organiser... Il faut en fait que ce soutien à Israël devienne trop cher pour eux, que le prix à payer, politique, militaire, financier, ça soit trop cher pour eux. Et ça passe par le boycott des instruments de l'apartheid, ça passe surtout par un travail d'information, un travail de discussion. C'est ce qu'on a essayé de faire avec ce livre « Israël, parlons-en ». L'équipe Investigation qui anime avec moi des jeunes journalistes qui font un travail d'info indépendante. On fait des visites sur trottoir, on va tester l'opinion dans la rue, on va voir comment les gens réagissent. Et ensuite, on a par exemple présenté des documents, vrais ou faux, les 10 grands médias mensonges qui justifient Israël. Et ça, c'est énormément diffusé sur Internet. On aimerait bien que ça soit traduit en arabe et dans un maximum de langues. Et je crois que ce qui peut changer le rapport de force, ce n'est pas tel ou tel journaliste, tel ou tel écrivain, tel ou tel homme politique. C'est les gens à la base. C'est les gens dans la rue qui discutent au travail, à l'école, avec les amis et qui font prendre conscience de l'information qui nous est cachée, des intérêts qui sont cachés derrière ce fait tout simple. Israël peut se permettre de violer tous les droits de l'homme parce qu'il est le flic du pétrole au Moyen-Orient. Est-ce qu'on va continuer à accepter une telle injustice? Monsieur Collomb, si l'État israélien refuse de faire la paix avec les Palestiniens et refuse en même temps la possibilité d'établir un seul État, alors que veut-il? Mais je pense qu'il faut considérer quel est le projet israélien. On nous dit maintenant que leur but, c'est de protéger les Juifs contre les discriminations ou la répression qui ont eu lieu effectivement durant la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Mm-hmm. Il y a eu un génocide contre les Juifs, mais je voudrais dire aussi contre les Slaves, contre les Serbes, contre les Tziganes, pas seulement contre les Juifs. Et de toute façon, vous savez, Ben Gurion, c'est le fondateur de l'État d'Israël en 1948. Il a été interrogé, je crois que c'est en 1942 ou 1943, mais ça se trouve sur Internet, on lui a dit, voilà, il y a le génocide contre les Juifs en Europe, il faut faire quelque chose pour les sauver. Et il a répondu, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, textuellement. Excusez-moi, il a répondu en fait que même si on avait la moitié des Juifs d'Europe qui disparaissaient, ce qui l'intéressait, lui, c'était d'avoir des gens pour son projet de colonisation en Israël. Donc il faut aussi que tout le monde se rende compte qu'en fait, on organise le flic du Moyen-Orient sur la souffrance des Palestiniens
sur la souffrance des Juifs qui vivent dans une insécurité, dans une psychose, et qu'il faut voir les intérêts économiques qui sont là derrière. Si on arrive à isoler les multinationales qui veulent garder le contrôle du pétrole, qui veulent... Parce que c'est une histoire de fric, finalement, tout ça. C'est ça qu'il faut voir. Regardez, je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du pétrole? Ou bien on construit des palais, on achète des Ferrari et on construit des tours inutiles de 800 mètres. Ou bien on fait comme Chavez ou Evo Morales, utiliser l'argent du pétrole ou l'argent du gaz ou l'argent des autres matières premières, parce que le problème concerne aussi l'Afrique noire, pour donner enfin aux gens qui vivent dans la pauvreté l'éducation, les soins de santé, un travail, commencer à développer une économie. C'est quand même pas normal que dans le monde arabe, un jeune qui a 15 ans et qui cherche du boulot, il ne le trouve pas parce que tout l'argent part dans la poche des dictateurs et qu'au lieu de développer une vraie économie, ou part dans la poche d'Exxon qui fait 45 milliards de dollars de bénéfices par an. Vous vous rendez compte? Avec cet argent, on donne du boulot à manger à tous les Arabes et à tous les gens d'Afrique noire. Vous n'êtes pas en train de me dire que l'État d'Israël existe seulement pour des raisons financières et économiques? Bien sûr que si, rien d'autre. C'est un projet colonial. D'ailleurs, il faut remonter à son origine. En 1897, vous avez le congrès de Bâle où le mouvement sioniste d'Europe dit qu'est-ce qu'on va faire et pose la question nationale juive. C'est le moment où il y a toute une série de nationalismes. Et il y a effectivement, il ne faut pas le cacher, des discriminations contre les Juifs en Russie, en Pologne, en France. Vous allez avoir l'affaire Dreyfus. Et ils réagissent par rapport à ça. Et en fait, à ce moment-là, vous avez beaucoup de Juifs qui disent « il faut rester dans les pays où on est, il faut essayer de résoudre ça ». Et vous avez un projet colonial par Herzl, le fondateur du sionisme, qui dit « nous, on est clairement dans le projet colonial ». Il faut rappeler que ça se passe au moment où l'Europe se partage l'Afrique. On a, quelques années avant, la conférence de Berlin, où les Anglais, les Français, les Belges, les Allemands, les Portugais, les Espagnols, les Italiens se partagent le gâteau africain. Il n'y a évidemment aucun noir qui est invité. Et les plus forts prennent les gros morceaux et les autres les petits morceaux. Donc on est dans cette période coloniale et il faut lire les documents de Herzl et des fondateurs du sionisme. Ils le disent clairement. Nous, c'est un projet pour coloniser. Donc on a besoin d'un grand empire au-dessus qui nous aide et dont on est l'agent. Ça va être d'abord la Grande-Bretagne, puis quand elle s'affaiblit, ça va être les États-Unis. Le problème, c'est ça. C'est que, en fait, Israël est un agent d'une grande puissance coloniale qui continue à dominer le monde, à voler les ressources partout et à maintenir, je le rappelle, 2 milliards de gens dans la pauvreté. Il faut mettre ça en relation avec le fait que toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim quelque part, alors qu'on pourrait lui donner à manger, ou il meurt de conséquences de maladies qui sont faciles à sauver. Vous prenez 10% du budget militaire des États-Unis et vous réglez le problème de la faim, de l'éducation, des soins de santé, de l'eau potable, etc. Donc c'est un choix de société. On ne va pas se disperser. Vous comprenez quand de plus en plus de Palestiniens, donc eux-mêmes, ne croient plus à un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Je cite par exemple M. Azem Al-Kawasmi, qui est un économiste et activiste politique palestinien, qui dit qu'aujourd'hui, plus de 90% de Palestiniens pensent qu'ils n'auront jamais un État. Moi, je vois une chose. Les Palestiniens résistent depuis plus de 60 ans à une situation d'oppression coloniale. Ils vivent dans des camps et ils ont toujours cette volonté de récupérer leur patrie, de récupérer leurs droits. Dans le livre, là, on a interviewé 4 Palestiniens qui vivent dans des camps, qui sont émigrés, qui vivent dans des situations terribles, et ils disent tous « un jour, on retournera ». Donc, je comprends évidemment qu'avec les injustices et aussi la diabolisation des Palestiniens qui est menée par, il faut le dire, la grande majorité des médias internationaux, je comprends qu'il puisse y avoir du découragement, mais c'est une lutte qui a passé par des hauts et des bas. Je vois une chose, Israël est un projet expansionniste, ils sont allés au Liban en 2000, en 2006, ils ont perdu. Israël voudrait continuer à envahir ses voisins, mais militairement, il ne peut déjà plus. Donc c'est Israël qui est isolé. Et quand vous lisez les rapports sur l'état de l'opinion israélienne, là, vous voyez énormément de découragement et de désarroi. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le mouvement des jeunes, de la protestation contre le fait qu'il y a beaucoup de pauvreté en Israël, qui se disent pourquoi, au lieu de nous aider, on continue à faire des occupations militaires, des colonies, toutes des dépenses militaires. Donc, moi, je pense que les Palestiniens ont bien montré qu'ils sont capables de résister. Et le problème, c'est de
à renforcer le mouvement de solidarité internationale pour qu'ils aient enfin leurs droits. Alors cet économiste, hein, palestinien, il dit que même l'autorité, certains membres de l'autorité palestinienne, pensent qu'un État souverain palestinien aux côtés de cet État israélien n'a plus... Oui, mais là, il pose la question que vaut la direction palestinienne. Écoutez, c'est pas moi qui le dise, mais beaucoup de Palestiniens critiquent cette direction comme étant pas démocratique, pas élue. Je vois une chose, quand il y a eu des élections il y a quelques années, normalement, le Premier ministre, il doit être nommé parmi le parti majoritaire ou une coalition majoritaire. Et le président Mahmoud Abbas a été chercher quelqu'un qui avait fait 2% aux élections, mais qui était bien vu des États-Unis. Donc le problème, c'est effectivement que les Palestiniens méritent une bonne direction, qui ne se mettent pas à genoux devant les États-Unis, qui réunissent tous les courants, j'insiste, absolument tous les courants ensemble, tous les hommes de bonne volonté. Et c'est des choses qui se sont réalisées dans les prisons. C'est des choses que les militants de base peuvent réaliser. Là, ils le font. La résistance militaire, ensemble, face à l'invasion, ils le font. Donc il y a un problème de la direction du mouvement palestinien. Alors, ça, c'est très clair. Quelles sont les failles de l'OLP, de l'organisation donc, pour la libération de la Palestine? Écoutez, je pense d'abord que si on accepte l'argent des États-Unis et de l'Union européenne, et surtout si on accepte les volontés politiques de ces gens, si on accepte que la CIA soit chargée d'organiser les services de sécurité palestiniens, là, il y a un problème. Parce que vous ne pouvez pas, pour résoudre un problème, une injustice, vous ne pouvez pas faire appel à ceux qui ont créé l'injustice. Je veux dire, vous essayez d'éteindre un incendie et vous appelez le pyromane. Non. Donc, c'est ça le problème. Si on continue à faire confiance aux États-Unis et à leurs alliés européens et aux dictatures arabes, alors, effectivement, on trahit quelque part les Palestiniens. Et ça, c'est aux Palestiniens. Quelle est votre position par rapport à l'organisation Hamas, qu'on considère ici, en Occident en général, comme une organisation terroriste? Alors, il y a quelque chose quand même qui serait comique si ce n'était pas tragique, c'est que les Européens et les États-Unis n'ont pas arrêté de dire il faut une élection pour les Palestiniens. J'aimerais bien qu'ils disent la même chose en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar et en Jordanie, et au Bahreïn et au Yémen, au lieu de protéger des dictateurs. Mais soit. Et donc, quand ils ont eu cette élection, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme les vainqueurs ne leur plaisent pas, ils ont bombardé Gaza. Donc, il faut arrêter avec cette hypocrisie. Les États-Unis et l'Europe ne veulent pas la démocratie dans le monde arabe, parce que s'il y a la démocratie dans le monde arabe, un, c'est terminé Israël, on donne leurs droits aux Palestiniens et on utilise l'argent du pétrole, pas pour Exxon, Total et British Petroleum, mais pour sortir les gens de la pauvreté. Donc, à mon avis, les États-Unis et l'Europe ont absolument peur de la démocratie. Ils ne veulent pas qu'il y ait une démocratie en Palestine qui puisse décider pour les Palestiniens, parce que si l'ensemble du monde arabe et musulman devient démocratique, ben alors les États-Unis ils peuvent aller s'occuper de leurs problèmes. Et ne me dites pas que c'est un autre problème, c'est le même. Les États-Unis ont 45 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Ils ont 90 millions de gens presque dans la pauvreté. Et c'est ça le problème qu'ils doivent résoudre en cessant d'aller voler les ressources des autres. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez évoqué tout à l'heure le Qatar. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de l'émir du Qatar pour reconstruire justement la bande de Gaza? Écoutez, je crois que, évidemment, les États-Unis pratiquent ce que j'appellerais la sous-traitance. Dans les années Bush, souvenez-vous, 2001, George Bush nous annonce « on va envahir l'Irak, l'Afghanistan ». J'ai cité des documents dans un de mes livres là sur la Libye. Le général Wesley Clark disait « le Pentagone s'apprête à envahir la Syrie, la Libye, le Soudan, la Somalie, l'Iran », ce qui est en train de se réaliser. Et puis ça a raté. Ils ont subi une défaite épouvantable en Irak et en Afghanistan. Ils n'arrivent même pas à contrôler ces pays. Et donc, les États-Unis, avec Obama, et bon, Obama pour moi, ce n'est pas le chef. Obama est un employé des multinationales. Mais avec le stratège qui est derrière Obama et qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, l'homme qui a envoyé Ben Laden et les talibans en Afghanistan, qui a organisé et financé cette opération, Brzezinski, il a tout à fait une autre stratégie que Bush. Pas faire des guerres avec des occupations militaires directes. On se fait tuer, ça coûte cher, on est impopulaire. Il faut faire ce que j'appelle la guerre indirecte. La guerre par la CIA, la guerre par faire que les gens se battent entre eux,
ou par la corruption. Et donc on laisse le Qatar et l'Arabie Saoudite utiliser des centaines de millions de dollars de l'argent du pétrole qui en fait ne leur appartiennent pas, qui sont volés, qui devraient servir aux gens pour acheter des clubs de football, des entreprises, des politiciens. On va essayer d'acheter des autorités palestiniennes, je ne pense pas que ça va marcher. Monsieur Collant, l'émir du Qatar, il ne veut pas acheter une équipe de football à Gaza. Il met sur la table 250 millions de dollars et il appelle à construire, à reconstruire la bande de Gaza. Oui, c'est très bien, tant mieux. Et ça va être quelque chose de concret. Tout à fait. Et on sait très bien dans quel état les bombardements financés par les États-Unis et aidés par l'Europe, et pardonnés par l'Europe, couverts par les grands médias internationaux, combien ils ont plongé les Gazaouites dans un enfer. Donc je me réjouis pour ça. Mais il faut quand même voir qu'il faut une vraie solution globale. Il ne faut pas, à chaque bombardement d'Israël, aller reconstruire. Il faut mettre fin à la dictature d'Israël. Donc moi, je voudrais qu'on interroge les rapports qu'il y a entre cette nouvelle alliance qui n'est pas déclarée, États-Unis, Europe, Israël, Arabie Saoudite, Qatar. Là, il y a une alliance et c'est ça qu'il faut interroger. Si Obama ne gagne pas les prochaines élections, quelles seraient les relations entre les États-Unis et le reste du monde, et le monde arabe particulièrement? Comme je vous l'ai dit, moi je considère que ce n'est pas le président des États-Unis, ni de France, ni d'ailleurs, qui décide la politique de son pays. Ce sont les multinationales et ce sont ce qu'on appelle les think tanks, les cabinets de l'ombre, dont j'ai parlé dans un livre « Les sept péchés d'Hugo Chavez », à savoir le Council on Foreign Relations, dirigé par M. David Rockefeller de Exxon, à savoir le groupe Bilderberg, les États-Unis et l'Europe, aussi dirigé par Rockefeller Exxon, et la trilatérale avec aussi le Japon, aussi dirigé par Exxon. C'est ces gens-là qui choisissent les présidents, c'est ces gens-là qui, avec Kissinger, Brzezinski et ces stratèges-là, décident les grandes lignes de la politique. Après, l'administration au jour le jour est faite par Obama, Clinton ou Romney, et ce n'est pas eux qui décident vraiment. Si c'est Romney qui est élu, c'est clair que ça veut dire que les gens des États-Unis auront été déçus parce qu'Obama n'a tenu aucune de ses promesses. Il n'a pas mis fin à la torture, il n'a pas fermé Guantanamo, il n'a pas mis fin aux guerres. On dépense de plus en plus d'argent pour l'armée des États-Unis au lieu d'aider les pauvres aux États-Unis. Donc ça sera un mauvais signal. Mais sincèrement, je pense que Romney ou Obama, vous avez les déclarations avant le vote pour se faire élire, et puis vous avez la politique après. Et je ne vois pas une énorme différence, sincèrement, entre les deux. Dernière question. Est-ce que vous pensez que l'État unique israélo-palestinien, ce serait une forme de printemps arabe dans cette région? Ah, c'est clair. Ça, ce serait l'avènement d'une démocratie. Ce serait l'avènement d'une solution basée sur l'égalité entre les hommes. Ce serait l'avènement de la fin du racisme. Ça prendra du temps. Ce ne sera pas facile. Mais je suis convaincu que, comme en Afrique du Sud, ça peut arriver. Et ça, c'est vraiment l'espoir qui doit nous faire tous, qui doit tous nous motiver, je pense. Michel Collant, merci d'avoir été avec nous. Merci. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve dans 2 semaines, à la même heure et sur la même chaîne, bien sûr. Au revoir.